fuck les gars. Là, il m'a dit TP toi, Eklund, j'ai un don. Regardez ce qu'il m'a donné. 6 space, une farm max. Une farm tool plutôt. Ensuite, il m'a donné des pépites de mété, 12 tita, plein de piquettes et des livres U2 et tout. What the fuck, mec. Merci. Je sais pas quoi dire. Merci beaucoup, beau gosse. Merci beaucoup. Vous avez deux métés. Venez au spawn, les gars. On va faire un trade, ok? Ou si vous avez une métée contre un space. J'échange, dans le fond, une métée contre un space. S'il te plaît. Donc, peu importe. Ça peut être n'importe qui d'entre vous. Lui, il a dit, j'ai un don. Draco 2006. Ok, viens spawn. Donc. Draco trade. Draco 2006. Est-ce qu'il est né en 2006, vous croyez? Donc, j'ai besoin de quelqu'un... Oh shit, un space. Oh, what the fuck? Ok, il me donne direct un space. Tabarnak, ça n'y explique pas le POC. Merci beaucoup pour le space, gros. Bon, là, on va échanger alors 3 spaces contre chacune métée. Donc, si vous, vous voulez un space, les amis, les gens du live, si vous avez un métée et vous voulez un space, je vous le donne. Contre votre métée. Donc, venez. Venez au spawn, c'est un bon échange. Ah, lui, je crois qu'il veut. Lui, je crois qu'il veut. Est-ce qu'il met une métée? Mais non! Il me donne un space aussi, mais what the fuck? C'est pas ça l'échange, les amis! L'échange, c'est censé... Oh, oh mon dieu! Je veux des météorites, les amis! Sapristi, vous m'énervez! Y'a pas de métal HDV, donc on peut pas les trade. J'échange un space versus une mété, M-M-P. Come on, les boys! Come on! Putain! Okay, on a peut-être trouvé quelqu'un, Jozo Killer, s'il te plaît, faut pas que tu m'arnaques. Ok, monsieur Gazer. Monsieur Gazer, viens, spawn, je tiens. Je t'aime, tiens mon space. Merci gros, c'est gentil pour ton space. Fais pas ça. Pourquoi? Je m'en fous en fait. Attends, c'est quoi son pseudo à lui? Qui a tient la mété? Zozo Killer. Ok, tiens, Zozo Killer, tiens, moi j'ai besoin de mété. Mets ta mété, mec. Et voilà, on fait un bon échange, mon ami. J'ai besoin de la mété pour faire mon plastron renforcé. Et toi, t'as besoin du space pour faire je sais pas quoi. Ok, merci. On a une mété en plus, les amis. Il nous en manque plus que 4. Donc, let's go. C'était qui l'autre gars qu'on avait? C'était Monsieur Gazer. Monsieur Gazer, viens spawn. J'y suis pour échange. Viens, 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 viens. On va faire un space versus une mété. Ok, Monsieur Gazer. Monsieur Gazer. Let's go, Monsieur Gazer. Un space versus une mété, les amis. Nice, 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 nice. Nice. Merci beaucoup, beau gosse. Il nous manque 3 métés. 3 métés. Let's go. On lâche pas. Si la cible est bien chargée, 2 space contre 3 métés, ça va nous faire exactement tout ce qu'on a besoin, les gars. Pour faire le truc, vas-y go, ok. Viens spawn, attends, no, tu viens spawn. Ça va nous faire tout ce qu'on a besoin pour faire le putain de plastron renforcé, les gars. Merci beaucoup aux deux gars qui m'ont fait des dons de space direct début du live, quoi, c'était énorme. Désolé Zozo, j'ai trouvé un autre acheteur, mon pote. Désolé beau gosse. Désolé, désolé. Ah merde, le live, mon live il a freeze, attendez, putain. Mon live il a freeze. Ok, c'est bon, mon live il avait bugué. Donc, trade Nociu. Let's go, Nociu. 33 métés. Normalement, je crois qu'on aura assez pour crafter ce foutu plastron. Donc, merci beaucoup, beau gosse. Merci beaucoup à Psycholog encore pour ton don de 50€ sur le live. Super, ça fait super plaisir. Bon, maintenant, on est rendu à 32 et 8. Donc, c'est parfait, les amis. On fait ce qu'on a à faire. Regardez bien ça. On craft le plastron space. Ensuite, on craft... Oh, attends, c'est comment pour crafter des blocs? Ah oui, c'est comme ça. Attendez, je crois que c'est comme ça. Oups là, j'ai un peu de la difficulté, les amis, on va pas se mentir. Boum, 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 8. Ok, on entoure le truc de blocs comme ça, avec le plastron. Plastron space renforcé, les amis. What the fuck? Et on le met sur nous, et on a des beaux abdos. Ce qui arrivera jamais dans la vraie vie, d'ailleurs, hein. On se le cache pas, les amis. Voilà, donc là, maintenant qu'on a le plastron cheaté du serveur, 200 nombres de repairs? What? 200 nombres de repairs? What the fuck? What the fuck? Ok, maintenant, il faut juste que je farme un livre P4U3, puis on va le mettre P4U3. 3 plus P3, c'est bon. Ensuite, ça nous prend Unbreaking, donc Unbreaking 2, Unbreaking 2. Et là, l'XP, il est où dans cette putain de base? Message, Volkin. Ah, il est même pas cool. C'est pas tard de merde, c'est pas tard, je vais le tuer. Kit, Enchanteur, je vais aller dans combien de temps? Ok, dans 5 heures, what the fuck. Où c'est qu'il a mis l'XP, calice? Bon, je dois demander à Volkin où c'est qu'il a mis l'XP. Ça fait P4. Ensuite, on fait P4 plus U3, ça fait
Et ça, comme ça, ou peut-être plus comme ça, ça prend 16 niveaux. Donc on va se mettre 16 niveaux, les gars, et on aura notre plastron P4 U3 renforcé en space. Et voilà. Donc, comme ça, et voilà, les amis. On est musclé maintenant aujourd'hui. Regardez-moi ça. Boom! On va se mettre en full truc. Attendez, on va se mettre en full space quand même, hein, parce que lui, il voulait prendre une photo avec nous. Regardez comment on est badass, les amis. Il rend vraiment bien le plastron avec les textures 3D et tout, là. Oh là là là, comment il rend bien, les gars. Il rend vraiment bien, au fait. Il rend super bien. Hop là, j'essaie de me mettre à côté de lui. Je vais prendre une Space Blade comme lui. Voilà. Hop là. En fait, c'est un peu difficile de voir à cause des gens devant, mais... Si t'es capable d'avoir un screen, voilà. Ton compte, tu peux... Ouais. Icon, le Graal, comment tu pourras me le mettre comme tu vas pas t'en rappeler? T'inquiète, t'inquiète, je vais m'en rappeler, gros. Je me souviens de toutes les gens qui me font des dents, t'inquiète. C'est bon, Azox, t'as pris ton screen? C'est bon, mec? What the fuck? Plastron renforcé, mec. Ouf! Ça a coûté cher, ça. Hein. On va faire un calcul vite fait, rapido, presto, ok? Si on fait 0.50 x 32, parce qu'il y a 32 mété, ok? Ça fait environ 16 trucs, 16 PB. Ensuite, tu rajoutes les 16 plus 8... Ce qui donne 24 PB, ok? Donc ça, c'est 24 PB juste pour le plastron. Ensuite, tu rajoutes à peu près 2-3 PB parce que, tu sais, c'est quand même un plastron renforcé. Et pour le tout, à peu près 30 PB pour un plastron renforcé, c'est quand même pas si mal, quoi. Ça va environ 30 PB en plastron renforcé parce que, tu sais, t'as quand même 200 repairs dessus, les gars. Vous réalisez 200 repairs, c'est quoi? Ça veut dire que t'as jamais utilisé d'orbe de réparation. T'as jamais d'anti-poison. Tu te fais jamais poison, tu te fais jamais lenteur. Donc en vrai, peut-être même 50 PB, ça peut même encore là. Moi, quelqu'un me propose 50 PB, les gars, je suis même pas sûr de le vendre. Hein. Ça m'a coûté tellement cher et j'ai tellement farmé pour. Honnêtement, je sais pas. Hein. Genre, ça coûte 250 000 à faire. 24 000 à faire pour le crafter. 240 000, pardon. Je sais même pas ce que je raconte. 240 000 pour le craft, le plastron, que ça m'a coûté environ. Tu réalises? Donc, je sais pas vraiment, honnêtement, je sais même pas 50 PB si je le vends, gros. C'est le double du prix, mais quand même, je sais pas du tout, les gars. Honnêtement, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un putain de plastron. On a bien tryhard. Après, comme j'ai dit, c'est un plastron que tu vas pas PVP avec, quoi. C'est plus genre un trophée. Tu sais, c'est plus un trophée. Au prix que ça coûte à crafter, 240 000. Voilà, quoi. Le gars, il dit que ça vaut que 240 000. Quelqu'un t'a déjà proposé 60 PB? J'ai juste lui demandé quand même. Parce que même moi, 60 PB, gros, je dis non. Hein. Je te dis direct, 60, 50 PB, moi, c'est non. Hein. Ça m'a pris trop de temps et trop de métiers à crafter, gros. 240 000, ça m'a coûté hein, avec tous les métiers et tout, gros. J'avoue que j'ai quand même eu 10 métiers en don la dernière fois, mais bon, quand même. Je peux encore sauver des Africains. Non, 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 j'ai plus besoin de creeper. Merci quand même, beau gosse. What the fuck. Je suis vraiment content. Dans tous les cas, je suis hyper content. C'est énorme, vraiment. Énorme, mon pote. Oui, mais j'ai pas accepté. Il s'est fait proposer 60 PB pour son plastron, t'imagines? 60 PB, c'est 60 euros, gros, pour un plastron à 200 de repair, anti-lenteur, anti-poison. Gros, je sais même pas s'il y a déjà quelqu'un qui a été PVP avec ça. Vraiment, je sais même pas s'il y a quelqu'un qui a déjà été PVP. C'est tellement. Gros, t'as tellement un seum si tu meurs, tu crashes quoi ou quoi. Oh, tu dois tellement avoir le seum, gros. Normalement, c'est moins cher que le prix du craft, mais bon. Ouais, ouais, je sais ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que il a plus de valeur sentimentale, genre. Ça a pris tellement de temps de crafter, gros, que tu sais, tu veux pas le vendre, tu vois. Donc voilà. Tu prends les dons en PCF card. Non, désolé, beau gosse. Si tu veux garder tes PCF cards, mets-les sur Fortnite ou un jeu que ça sera plus utile que me faire un don à moi, mec. Ça va pas accepter, gros. À une seconde. Ah, ok, d'accord. Bah, deux jours de suite que quelqu'un me fait. Icon, regarde toutes tes vidéos, continue comme ça. Merci, Arthur. Merci beaucoup, Arthur, pour le don de 2 €. Et merci, Nibag. T'es vraiment trop fort. Gros, le gars, il m'a donné une flight tax en space, un ventilateur, des livres P2, des armures en farm, un P4 Tita, 8 rênes de mort. On va aller ouvrir les rênes de mort d'ailleurs. Un arc flame 1 et un arc power 4. Bah, merci beaucoup, Nibag. Ça fait plaisir, mon pote. Merci beaucoup. On va aller ouvrir les rênes de mort. Peut-être qu'on aura de la chance dans les rênes de mort. Hein. Qui sait? On va ouvrir les rênes de mort. On va faire un petit slash near. Il n'y a personne. Donc, on va aller ouvrir les rênes de mort. Et si on a une météo ou un space, les gars, oh là là, ce serait énorme. Mais malheureusement. Oh! Les gars, c'est quoi cette chance? J'allais dire, malheureusement, on n'en a pas. Et là, qu'est-ce que je vois? Un space tombé du ciel, les gars. Un space tombé du ciel. Putain. Wouhou. Nice.
Nice, nice, nice. Merci pour ton space et merci pour tes vitrines de mort qui m'ont finalement donné un space. What the fuck, gros? Mais c'est quoi cette chat aujourd'hui, les gars? C'est quoi cette chat? What the fuck? C'est quoi ici? C'est... Ok. P4, Tita. What the fuck? La chance, les gars. On avait plus d'XP en plus. Donc là, on a de l'XP, c'est bon. On a un nouveau P4 Tita ici. Donc on va le mettre ici. Ici, comme ça et comme ça. Merci beaucoup, Nibag. C'est super sympa. Je vais mettre les arcs ici en bas. Peut-être qu'on pourra les utiliser plus tard. Même chose pour les trucs en farm. J'ai pas nécessairement besoin, mais c'est super gentil. P4 Senna, on va mettre ici. Parce que celui-là, il est près de là. Ok, les pommes d'or, on va mettre ça ici. L'or, on garde ici pour faire des pommes cheat en bas. L'or, on garde toujours. Leaf P2, c'est ici. Oup là. Leaf Protection 2, c'est là. Leaf U2, c'est là. Voilà. Et le ventilateur. J'en ai pas besoin, mais je vais voir comment ça se vend. Peut-être que ça peut nous faire un peu d'argent. Ouais, ça vend. Ok, je vais mettre le ventilateur à 100$ pour un abonné spécial. J'espère qu'un de vous va l'acheter, les gars. Si vous en avez besoin, achetez-le. C'est seulement 100$, quoi. On peut piller un cœur si tu veux. Je sais pas. Avoir le passe-partout et sponsor. Il n'y a pas de passe-partout psycho sur le TS, mais je peux te mettre le garde sponsor. Il n'y a pas de souci. Tu penses vraiment qu'il va te mettre modo pour 100€? Non, je mets pas modo pour 100€. Ça. Même si tu donnes un don de 1000€, peut-être, ok, je veux dire franchement, peut-être 500€, mais après 100€, non, 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 c'est sûr que non. Ben 500, après, il n'y a personne qui le fait, donc peut-être, mais honnêtement, non, non, pas, même pour, même, oh, je sais pas en fait. Genre, faudrait que ça arrive pour que je, tu vois, je suis un peu un vendu, tu vois, je vais pas te mentir, je suis un peu un vendu, donc voilà. Ok, je vais spoil le cafac, les gars, je vais vous spoil le cafac, et ensuite, on va faire un pillage de cœur avec Gamer, donc Gamer, il a un pillage de cœur. Donc on va spoil Kafak, on va faire un piège de cœur et puis on va faire ça. Moi, deux petites secondes, le temps que je regarde quelques petits trucs. Donc, attendez, je dois regarder déjà quelques petits trucs. Je sais même pas si ça doit...